Yo tout le monde, c'est Seroxy, on se trouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Pokémon Star Sapphire Nuzlocke. Merci pour le chat d'avoir noté ce que j'avais demandé. Donc on a un tout petit peu entraîné la team. On a entraîné bien sûr Idevil 98, pas du tout Idevil 92 en plus, mon gars je le respecte même pas. On a entraîné Sadow Poirot, il a pris morsure, on peut plus perdre mon gars. Là, ça va être le retour. On affronte le Stall, on affronte Sycomore, mon gars. On traîne tout. Et voilà, mon gars, là, c'est le retour. Alors, on a acheté les Pokéballs coûtent 20 Pokédollars, donc c'est super cool. Parce que, au moins, ça nous permet d'en avoir plein. Voilà, on va se rebattre contre Ricky. Ricky, le vrai frérot. Et dans le chat, ils sont... Respecte-moi, je te promets que je serai le MVP du jeu. Oui, Devil, les gens vont venir te chercher. Ah là là. Donc, en fait, dans le chat, ça joue entre relâche Sunny Pot, relâche le relâche pas, etc. C'est des trucs de fou. Y'a, mais t'écoutes ça. Oh, le coup critique. Oh, et Sadow Poirot qui reprend les devants. Il est trop fort. Niveau 9, mon gars. Niveau 9. Là, Sadow Poirot, il rigole plus. Là, il retrouve son ennemi juré. Il a pris son ennemi juré. Et là, mon gars, on va jouer sur les gros yeux. Ouais, c'est ça, ouais. Fais ta poudre dodo. C'est ça, ouais. Fais ta poudre dodo. On sait comment tu marches, ma petite gueule. On va faire un Stropole pour savoir s'il garde Sunny Pot juste après. Là, c'est le combat des titans, mon gars. Oh là là, il évite l'attaque. Oh, Sadow Poirot qui donne tout ce qu'il a, qui se réveille. Oh, le méga sang! DC Sponge! Das! Das! Oh, mais easy! Easy! On est easy! Oh là 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 là! Easy! Easy! Oh là 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 là! Mais c'est trop facile! Et c'est trop facile! Sans aucun problème! Voilà! On va récupérer des baies. Voilà. Fais un Stropole pour le Sunny Pot. On fait un Stropole pour le Sunny Pot. Stropole. On garde Sunny Pot. On le relâche. Oui. C'est le MVP. Ok, je vous crée le Stropole. Ça vous amuse un petit peu. Hop. Moi je continue mon aventure. Oui, c'est le MVP. Je regarderai les votes un petit peu après. Pas besoin de faire un Stropole, tout le monde veut que je reste, je suis tellement OP de la voiture. C'est vrai que t'es pas très très fort, quoi, frère. Après, je t'aime bien, David, tu vois, je te connais depuis longtemps, mais t'es pas très très fort. Donc, on va continuer, on récupère des baies. On esquive les dresseurs parce qu'on a peur. On va tomber sur un méga paras, une potion. Oh putain! Alors, je regarde les votes, il y a 62% qui sont pour qu'on le relâche et seulement 40% qui sont pour qu'on le garde. Hein. Pas de pitié. Oh, bref, c'est chaud. Oh. Votez un pour Sabrina dans l'aventure, Secret Story. Oh là là là, bande de traîtres. Bon, est-ce qu'on va vraiment le relâcher? Moi, ça me dérange pas de le relâcher. Hein. Ici, la voix. On peut le relâcher et ça donnera une prochaine chance à Devil de faire un truc. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a même la cinématique pour le futur chez Chipotle. Ah non. Ah non, il a pas le droit de faire ça. Ouais, on va voir ce que va devenir. Ce que va devenir le Chipotle. On sait pas, on verra peut-être. On verra. Non, on va pas le mettre au PC. Ok, là il y a grave du blabla. C'est Timmy ça? Hein? Non, c'est pas Timmy, d'accord. Oh, j'ai peur. Ça sert à rien, cette arène roche, si j'arrive, je te rappelle.
J'avoue, c'est une arène roche. Ah, il va être utile, notre ami Arco. Ah, ils ont pas changé de chimie, dommage. Au pire, on l'achète, je dois prendre le prochain rafale. Mais non, on va te garder des 8, t'inquiète. En plus, ce sera beaucoup plus simple quand t'auras... Ce sera plus simple quand t'auras... Quand il y aura le multi-expérience, en fait. Oh, regardez-moi cette tête de fragile. Oh, on dirait Devil en mode... Gardez-moi, je suis un chenipote gentil. Oh là 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 là. Pokémon se cache dans les hautes herbes. Et pourquoi tu es en pyjama alors qu'il est 14h de l'après-midi? On va donner des 1000 à Timmy, on aura moins besoin que nous. Allez, on sait comment capturer des Pokémon. Fallait être un poncho, ça doit pas en dit. Oh là là, les pires ces gens. Allez, il va le capturer, il va être content. Dire, tu connais les bails. Ok, mal capturé, sans encombre de ce côté-là. Ok, il a capturé, bravo. Allez, Raph, viens. Ne relâche pas de la team. Ouais, mais si je pouvais, je lui donnerais, y'a pas de soucis, hein. Petit petit. Si je fais ça. Non. Et si je fais ça. Non. Ok, je fais des tests. Timmy le tisse comme dans son sport. Mais Timmy, c'est vraiment un tumeur. Tumeur. Oh là là, on s'en fout du PSS. On va chouchouter des villes. Ouais. Je vais tellement devenir populaire grâce à ce let's play, tant que viewer le plus utile de l'histoire d'un Pokémon. Oh là 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 là. Come on! Non, tu peux pas downgrader ta console, désolé. Nouvelle zone. Nouvelle zone. Ah, y a deux zones! Un pigeon. Ah, j'ai un pigeon, une génie, Arco. Oh non. Est-ce que je cherche, ça tue? Non. Qui veut être un pigeon dans le chat? Qui veut être un pigeon? Oh là là! Et ça lance le raffle. Tadana, ça prend qui monte niveau 10 du coup. Hop, moi je vous prends l'image. Regarde touchant. Ouais, si tu veux. Donc là ça lance le raffle, j'attends un petit peu les potes. Je prépare l'image en attendant. Hop. Ok, donc là, je vais arrêter, moi, le pigeon. Alors, Moobot, Raffle, off, Dr. Sprat, merci beaucoup. Raffle, Draw. Et c'est Dragon qui a gagné. Hop, Dragon le pigeon maintenant. Dragon ou Dragon, tu préfères? Dragon. Dragon XZ il s'appelle. Dragon XZ. Voilà, Dragon le pigeon. Ok. Du coup on va juste capturer le deuxième Pokémon.
Bon, lui, on l'esquive parce qu'il est trop fort. Hein. Le deuxième Pokémon. Toujours pas d'objet. Dragon, ok, dragon. Le deuxième Pokémon peut-être de l'aventure, mesdames et messieurs. Chenipote. Ideville 94, est-ce que ce serait pas toi? Donc non, du coup, ce serait 93. Du coup, on relance, parce que c'est un Pokémon qu'on a déjà attrapé. Donc, déjà, on en a un de trop déjà, je trouve. Donc, on va retenter. Apparemment, on peut avoir des parasses. On peut avoir des parasses. Doudouvet! Mais non! Comment c'est stylé de fou? Comment c'est stylé de fou? Ah oh, putain, mais c'était ouf. Pokémon 4. Hop. Ah ouais, pas mal. Tac. Tac, du coup. Tac. Hop. Oh là là. Oh, on a attrapé Doudouvet, les potes. Nice. Donc attends, faut que je fasse ça. Hop, et... tac. Hop. Comment je fais pour le mettre beau, là, le Pogion? Voilà, comme ça. Hop, donc là, je fais un Moobot. Raffle on. Les gens vont spam. Tac, j'attends un petit peu. Que tout le monde ait plus le temps de spam. Donc là, il y a tout de suite plus de monde, hein, tu vois, genre, il y a tout de suite beaucoup plus de monde qui veulent être un Doudouvet. C'est quand même un petit peu mieux, je dois l'avouer. Ouais, il y a des images de Doudouvet. Parfait. Alors, Moobot, Raffle, off. Moobot, Raffle, draw, et le gagnant est... Electak. Electak qui a gagné et est un Doudouvet. GG à toi, mon pote. Et les... Non, Éclatak. Éclatak. Ok. Éclatak qui a gagné. Ça me fait plaisir, Éclatak. Hop, je te rajoute juste après. Du coup, je vais aller soigner nos pokés. Est-ce qu'on n'affrontait pas lui? Merci Tissomon pour le follow. Alors, une pierre soleil. Mais non, il évolue comme ça? Non, je crois pas. Hein. Je sais pas comment il évolue, le poteau. Comment il évolue? Je sais pas. Peut-être qu'il évolue avec une pierre soleil, je sais pas. On va soigner Poké. Bon, on est chaud, on est chaud. Hop. Allez, ce qui est drôle. Pierre Soleil, c'est ça? Il est volé avec une Pierre Soleil, vous confirmez, les potes? Ouais, il est volé avec une Pierre Soleil, apparemment. Donc ça va. Donc Serge, je peux le faire évoluer maintenant? Mais non. Je le fais évoluer maintenant? Ah, je voulais te récupérer l'image. Bah, essaye. Oh, j'avoue. J'aime. Bah, essaye. Ouais, bah, ils ont raison. Tout à fait raison. On va essayer. Du coup, s'il évolue... Enfin, je rechange l'image. Sac. Oh mon dieu! Oh mon dieu! On a un Farfaduvet! Mais regardez-le, notre beau Farfaduvet! Bon bah c'est cool, on a un petit Farfaduvet du coup.
Bon, ça va. Je le mettrai juste après sur le layout, vous inquiétez pas. Appuie sur B. Non. Regardez notre beau farfadué. Pourquoi je suis con? Infiltration. Il n'y a pas farceur. T'appuies sur B, il deviendra gros don. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, il va rien apprendre. Ah merde. Oh non. C'est vrai, il va prendre aucune attaque du coup. Oh non. Je sais pas, moi j'ai Pegax. Moi je sais pas les potes. Il va rien apprendre, genre vraiment, sa défaite. Ah merde, oh, c'est gênant du coup. Parce que s'il apprend rien, on est niqué. Ah merde, oh non. En plus je fais jamais ça depuis. Oh non. Mais bon, c'est pas grave, on a Chenipote. Voyons le bon côté des choses, on a toujours Chenipote. Bon, on va quand même le mettre dans l'équipe, écoutez. Le pauvre. Hop. Hop. Bon, en tout cas, moi j'aime bien les dessins. Bref, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui. Est-ce qu'on a fait une gaffe? Oui. Bon, on va se relever. Il n'y a pas de souci. Bon. Ouais, on va compter sur les CT, on y croit. Du coup, est-ce qu'on a sur les Poké? J'ai pas vu. On l'a fait, ok. Ok, vas-y, on va affronter des gens. On va affronter des gens, mon gars. Ah oui, il y a les... Non, les Ekaikers, ça devrait pas marcher. La force des Chenipotes, ça va. Ok, on affronte le Richard, mon gars. Ah ouais, la ROM, elle marche normalement en 10.3. Elle marche avec toutes les versions qui sont disponibles avec l'Homebrew Channel. Donc, si ça marche le 10.3-28 sur le Homebrew, ça marche tout simplement. Je sais pas. Tout dépend si tu peux mettre l'Homebrew Channel ou pas, en fait. C'est ça le problème. Donc, il y a Zigzaton, on a Sodo Poirot. MVP, je sais. Il vous dit ça. Ok, morsure. Oh merde, il nous dépasse. Oh merde, il fait 10 PV! Ok. Il fait rugissement. Comme dis. C'est quoi ça? On a ramassé sa baie. Je sais pas comment ça marchait comme ça. Hein? On a mangé la baie. Je ne comprends plus rien là, ce match. En gros, il utilise l'objet, je le ramasse, j'utilise l'objet, il le ramasse. Bon, je suis mort sur un. Hein. Merde. Il a mort sur le coquin. Bec qui divise les attaques par deux de type normal. Ah, d'accord, c'est comme la baie Nanon, mais pour les types normaux. Ah ouais, donc c'est du bon gros counter team qui nous a sorti là, le poteau. Hein. Ah, il est pas marrant. Putain, il y a quand même le mec dans la robe qui s'est fait, ouais. Alors, ils vont tous faire charge sur Zigzaton, on va les counter team, les gros, et on va tous faire autre chose que charge. Oh, les dégâts. Bon, on va faire charge, alors. Salut, Furling. Le match il va rien dire, mon pote. Le match il va tellement rien dire. Nanana. Ah, il fait mimique. Oh, il est con. Oh là là, il a tilt totalement. C'est bon. C'est fini pour lui. Puisqu'on a la baie qui réduit les attaques de type charge. Encore guérison. Non, mais c'est pas possible là. Mon gars. Mais il est malin parce qu'il a baissé notre attaque et notre défense. La prochaine charge sera peut-être dévastatrice. Ok. Et c'est la passe de la baie à Zigzaton. C'est tellement simple. Ok. Je pense que prochaine attaque on meurt. On va switcher. On va switcher sur Neofraps. Mais Richard, on l'est pas, j'avoue.
Mais en fait, ramassage, je croyais qu'avant, c'est quand on marchait, on avait une chance de récupérer un objet. Vous me confirmez que ça a changé ou pas? Mais t'es sérieux, toi, de faire autant de dégâts? Allez, merci beaucoup, Neofraps. Voilà, merci. Excellent, excellent, excellent. Bon, bah, on va encore perdre, hein, ça fait plaisir. C'est plus Richard, c'est millionnaire. Voilà! Il nous fait pile 10 PV, genre. Oh, les dégâts de dragon! En même temps, il y a du full counter team, moi je peux pas. Hein. J'ai jamais utilisé autant de potions. J'ai jamais utilisé autant de potions dans un let's play. Les gens dans le site font « Moi je vais le défoncer !» Alors pas du tout, tu sais. Je pense que la technique c'est de faire charge. Non, j'ai non. Ah, vous me tuez, putain, dans le chat, vous êtes trop fort. Ok. Bon, par contre, s'il y a une troisième guérison, est-ce qu'on se poserait pas les bonnes questions? Putain de merde! Ok, ça spam de gros yeux. Après, par assez avec potion, je vous présente le boss ultime des internets. Zigzaton. Mec, 3 potions, 3 guérisons, il a pas le droit. Il a pas le droit, putain. Mais non. Il a pas le droit. Oh là là, et ça coûte tartine. Mais mec. Hey, son père, il a Apple, c'est pas possible d'être aussi riche. On le fait des dégâts. Je pense au prochain tour il nous tue en vrai. Hein. On va encore prendre une potion. Méga zigzaton ils ont dit. Oh, faut que je switch. On va envoyer des villes. On va envoyer des villes. Voilà, parfait. Salut des villes. Excellent, excellent. Et Sado Poirot qui revient sur la game. Regarde touchant, ça diminue l'attaque. Oh, c'est bon, les mecs, on a la technique. Allez. Ok. Ok, ok. Du coup, on fait morsure parce que sinon ça va activer l'objet. Là, on résiste. Ok, 1 PV. Oui. Oui. On l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. On l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. On l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. Bon bref, écoutez, c'est un épisode plein de rebondissements. MDR, je galère toujours autant. Sur cette run, on a eu pas mal de nouveaux Pokémon. Juste un petit peu dommage qu'on ait galéré. Et surtout, apparemment, j'ai fait une grosse erreur en voulant faire évoluer le doudouvet directement. Donc c'est dommage. On se retrouve pour un prochain épisode et bye tout le monde.